baza mi ozali ba au nombre de toi. C'est à eux maintenant ba webisa biso, mais déjà ça saute aux yeux. Avant même que procès fungwama il a combanani. Non, ba 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 exécuter qui liwa wana bazali. Entre autres ce qui nani comment il s'appelle encore Mutora Bakini Bobachu Kanga Kaso Kasungu Obachu na Lubumbashi wana. Il fut parmi ba garde de corps à John Numbi. Vous comprendrez, il est la troisième Obachu Kanga parmi ba sassé à John Numbi. C'est à lui maintenant à eux pardon, ils sont au nombre de trois, ba bisabiso nani atina ki bango ba exécuter John Numbi na Kalef baza ki deux pièces maîtresses ya régime passé. Vous comprenez, deux pièces maîtresses. On a joué un rôle moko à premier plan dans le régime passé. Voilà pourquoi peut-être bah s'est retrouvé bah Monique Lelo ma comme na bango nyoso bandeko ko sara repassé et bandeko ma polele. Moi je pense que le jour où John Numbi na Kalef bah le grand justice to ba mambo belé le kana mboka oui. Mambo belé c'est ko batama bango batumi balé wana ba joué ba ba formation belé oh le kana mboka oh ba sal besoin ya régime passé. Les deux personnalités ont tangi wana John Numbi na Kalef. Ils sont pour beaucoup na ba tueri na ba crime oh le kana mboka oui. Je pense que justice face à la Moussa na yango a établi la responsabilité à mutu na mutu par rapport à l'acte qui a posé qui. Vous comprenez? Par rapport à la tuerie, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la crime qui a commis contre le peuple congolais. Soyez les bienvenus, nos très chers fidèles amis internautes. C'est Batignon Sobazuli Bakoumalam de Nisouvre. De partout, partout, vraiment, à Katakwa Moukili Moubem, Batignon Sobazuli Bakoumalam de Nabiso. Toujours dans le magazine Yoka Base, dans la chaîne Bolinga Ming, la voix s'appelle Vini Bia TV. Place Nid de Bétra Mansouna Bayimoka. Par rapport à l'actualité politique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le président Marcel Nani Tobeta Masolo. Par rapport à l'actualité politique, nous avons un peu de temps. Contact, contact avec la maison RK Kabelo, celle qu'on a engagée par Chinois partout dans le monde pour battre la Kabelo. Merci à la grande dame Darla, moi aussi Zambé, moi aussi Boss, parce que vous allez rendre ma main encore très belle, merci parce que vous allez vous faire quitter Konaka Tchamboka, vous allez dépêcher Mokonzi Amboka. Joyeux anniversaire à toi, Jonathan Yala, les Saoudiens, les Boss, Talima Sananga Mokobalobi, Zambala Pamboula, battre toujours Jonathan Yala, les Boss, Mbongo, c'est quoi, billet vert, c'est quoi, le Babi Lilo Maramouda Kounda, tellement ma casse. Est-ce que moi, si ma caméra font la chambre, peut-être que nous sommes là, mon invité, le président Marcel Nani Tobeta Masolo. Restez vraiment branchés, papa, maman, parce que vous découvrez, vous avez un peu d'image, oh, et Batama qui est mal en poisson. Par rapport à la perquisition, il y a John Numbi, dans le cas de John Numbi, il y a déjà tellement de belles. Pour décortiquer cette émission. Je pense que c'est un mot de mon amour. Un mot de mes journalistes. Et moi, je suis dans une zone dans ce moment à la Voix Céleste. Je salue la télévision sur la Voix Céleste. Il y a un abisso de l'eau. Il y a un décryptage de l'eau. Il y a un CP là. Il y a une information. Il y a un bayo qui est en outil. Voilà. Par rapport à la perquisition, il y a John Numbi. Il y a tellement de dossiers, tellement de dossiers. Aujourd'hui, il fait couler beaucoup d'encre. À mon dossier par rapport à la loi et à Mouzé, est-ce que vous pensez vraiment que le dossier est fondé à l'école, mais ça n'a vu que c'est un ancien président Mouzé Koufi, dont John Numbi a joué un rôle par rapport à l'assassinat de mon amour, Laurent Désiré Kabila? En tout cas, mais c'est les journalistes, tous ceux qui sont surpris, n'a perquisé cela qui n'a pas John Numbi, en tout cas, est révélé Marambou Bélé. De Ilingola que John Numbi a qui pièce maîtresse. Il y a la sale besoin, il y a le régime passé. On a vu entre autres le dossier à l'ancien président Abissou Koufaki. À mon humble avis, il y a de la vérité, il y a Mouzeti. Moi je pense que c'est l'occasion maintenant à la justice à se saisir la Mambo Oyo par rapport à la bloc tout le monde n'est pas John Numbi, va me un peu fouler encore enquête concernant l'Iwa et chef de l'État Nabiso, Mouzé Kabila. Je pense que John Numbi avait joué un rôle prépondérant dans l'Iwa, dans la Mounion sur Oleg Nambo Kanabiso. L'air est venu maintenant que les choses soient mises au clair. Toyeba Mouzé Akoufaki Ndengenini. Moi je pense que c'est ça, monsieur le journaliste. Si tu dis que John Numbi a joué une pièce maîtresse dans la loi à moi dans mon calon des Kabila, c'est que l'humanitaire va zala qui. Bien sûr, moi je pense que
disparition ya Moïse Kabila et tika peuple congolais ti lelo na moi confusion moko boye to yebi le vrai ba vrai assassin ya Moïse ti. Or ce sont les innocents au basala qui incarcéré dans la prison pendant plus de 19 ans entre autres moi na mboka le colonel Eddy Kapène et les et sa compagnie. Moi je pense ba vrai tueur, ma vrai assassin en musée, basa libanda. Lelo avec ma biloko otomo na niveau à John Numbi, je pense que John Numbi a la mieux placé. Ce qui justice est traqué, je crois, a eu la vérité belé au Italie Liwaya à notre ancien président Laurent Désiré Kabila. Voilà, John Numbi, perquisition, pour que tu tellement bien d'accord. Tout le monde a photo PA, moi n'a pas l'ex garde corps à Kabila, Eric Lengue. Est-ce que à notre grande surprise, tu vas comprendre que Eric Lengue a été tué. Bah faute mon ami, bah kata matoi, bah kata nini. Donc tout ça, donc j'ai compris que John Numbi a sali pièce maîtresse. Il a assassiné et blessé Salama na mboka oyo. Il a joué des rôles moko, il a premier plan pour na ko exécuter ba congolais. Vous comprenez? Entre Eric Lengue, à notre grande surprise, Eric Lengue tout congolais est biqué à son exil. Malheureusement, tu peux comprendre que non, il a été déjà tué. Tout le monde a photo na ndakuya John Numbi. Donc moi je pense que John Numbi a un danger permanent pour le peuple congolais. C'est vraiment un vrai sanguinaire. A bombé trop de congolais. On a une photo. Je pense que la photo a tout le monde qui wana, y compris nos combattants. Vous comprenez? Azali parmi Batou Oyo, Babomi ba combattant et bel il est fait John Numbi. Donc il doit répondre à ses actes. Et là, qui sait que c'est un grand criminel, Yamboka Oui. Voilà pourquoi je comprends pourquoi l'un d'eux, à l'Obaki autrefois, ce robot Simbi, Yuma, Barocha Moto, Namboka. Voilà les autres moni Yango. Na arsenal militaire, et bien d'accord, John Numbi. Je vous dis que pendant que nos militaires qui sont au front, bah ça, l'arsenal Ouanati. Mais un seul individu, John Numbi, détient arsenal Moro lourd. Vous comprenez? Il y a un armement, Yamboka, Nandaku, il y a un général. Donc, à garder qui Yango, pour quelle finalité? Donc moi je comprends que John Numbi devait répondre à la justice. Aïe Bisabiso, ba photo wana ya ba congolais. Plus de 500 photos à ba congolais et s'est retrouvé dans ndaku na koma. Aïe Bisabiso, comment est-ce que Eric Lengue où on croyait qu'il était en exil, nzoka il a été exécuté par John Numbi. Expliquez biso quel qui nani azali commanditaire ya liwa John ya Eric Lengue. Et d'autres compatriotes. Oh, y a Obi Nanda Kunaye. Vous imaginez à quand John Numbi a ça sous forme y a mort comme Obi Nanda Kunaye. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est un message qui a été très dangereux pour la République. Moi je pense que la justice a ça la Moussa Naye. A l'un de la Makambo au de près, bah y est bah vraiment rôle Oyo John Numbi a joué dans Mboka Oyo pour exécuter les Congolais. Vous comprenez? Moi je pense que la justice Yango a saisi dans le dossier Oyo a mérité d'établir moi vérité dans ma rambouana John. Si John Numbi, est-ce que par rapport à son travail, tu penses que il travaillait pour aider les pays ou John Numbi travaillait pour la mamba instruction moi mon cousin ou il avait un maître ou d'ailleurs ça mimbe ko tinda ko ça tout ce qu'on a vu dans ma image Juan. Voilà pourquoi tu condamnes les militaires africains par moment. Les militaires africains pensent qu'ils sont là au service d'un individu. Or, Bazana pour un service de la République. Mais certains de nos généraux, Bazana qui sont au service de l'individu. C'est ça la conséquence. Maintenant, c'est John Numbi qui doit nous dire maintenant, nous avons un commanditaire. Il y a un maître qui a assassiné un Congolais. Il va nous dire ça au niveau de la justice. Parce que ce n'est pas normal. Un général... Au communayo, un criminel. Allez-y comprendre. A communé criminel pour exécuter les Congolais. Vous comprenez? Moi, je pense que John Numbi devait répondre à l'acte Oyo, à Ebisabiso, vérité à l'établi, à Ebisabiso, qui était le commanditaire. Il y a tuerie, nyo, soana, ou abandon, ou Congolais, on est bangombe. Ce n'est pas normal. De ce CBA. Voilà, Lelo maintenant éprouvé, noir sur blanc, c'est lui qui avait tué Chebea.
Vous comprenez? Bakosa Gibiso, je m'excuse. Ancien porte-parole au gouvernement. Alors, il y a une bêtise par rapport à l'Iwa Chebeya. Lelo est rattrapé Bango. Azonga sous Lelo dans les médias a démenti Riango Mamalobaki. Vous comprenez? Et là, qui c'est qui est John Numbi, à cela qui pièce Simoko maîtresse dans le régime passé. Vous comprenez? Bon, on a la salle besoin. Il y a quoi exister peuple congolais comme des vaches. Vous comprenez? Il y a un moment où l'Iwa Chebeya wana. Et ça déjà en cours. Bah, faut qu'on la procès wana. Bah, vrai assassin à John Numbi, pardon à Chebeya, bah, ami aux arrêts, au nombre de toi. C'est à eux maintenant, bah, oui, ça bisso. Mais déjà, ça saute aux yeux. Afin même que procès Fungwama, il a trop banane. Non, bah, exécuter qui l'Iwa wana, bah, Zali. Entre autres, ce qui. Nani, comment il s'appelle encore? Moutoura Bakni, Bobachou, Kasso Kassongo, Bobachou, Lubumbashi wana. Il fut parmi les gardes de corps à John Numbi. Vous comprendrez, il est la troisième Obaucho Kanga parmi Bassassé à John Numbi. Vous comprenez, Bassassé, pardon, à Chebeya. C'est à lui maintenant, à eux, pardon, ils sont au nombre de trois. Baby Sabiso, Nani, Atimnaki Bango, va exécuter Chebeya. Moi, je pense qu'il regarde toujours John Numbi. Mais à son tour maintenant, c'est lui qui devait maintenant éclairer la justice. Ordre Wana, il y a quoi exécuter Chebeya, à ce qu'il y a Nani. Voilà comment la justice a fonctionné. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas atteindre commanditaire, il y a plan Wana. Il paraîtrait qu'il y a eu rencontre entre Kalev et John Numbi, Nakingakati. Est-ce que vous pensez que Nakingakati, c'est juste pour voir l'ex-premier président de la République? Où il y avait quand même bon où Kabila n'est pas été montré si manabango. Bon, moi je pense que par rapport à la rencontre Wana, bon, je me réserve un peu à Koulouba à Kocha commentaire là-dessus parce que les vraies raisons ne sont pas encore connues. Parce que vous êtes un analyste, c'est ce que je dis pour avoir des éclaircissements par rapport à cette rencontre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais par rapport à mes analyses, Naoloba Boyi, John Numbi na Kalef baza qui deux pièces maîtresses du régime passé. Vous comprenez? Deux pièces maîtresses. Bah, on est bandé que j'ai un rôle moko à premier plan dans le régime passé. Voilà pourquoi peut-être bah, s'est retrouvé, bah, Monique Lelo, ma camarade Bangonyo, son bandé que ça a repassé et bandé que ma polélé. Moi je pense que le jour où John Numbi, na Kalef, bah, on est dans la justice, tout le monde va me bêler les gars en boca. Oui. Je suis belé, c'est à Kobatama, Bango, Batumi Balewana, Bazoué, Babel, les formations belé, oh les gars, Mboka, oh, il y a sale besoin, il y a un régime passé. Les deux personnalités ont Tangiwana, John Numbi, na Kalev. Ils sont pour beaucoup, Naba Tiweri, Naba Crime, oh les gars, Mboka, oh. Vous comprenez? Moi je pense que justice face à la Moussa Nayango a établi la responsabilité à Moutou Namoutou par rapport à l'acte qui a posé qui. Vous comprenez? Par rapport à la tuerie, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la crime au Bakometaki contre le peuple congolais. Voilà. Il y a une information qui vient de nous comme la vie. Il paraîtrait que John Numbi a koufi na Zambi. Il paraîtrait que moi na moka John, le général John Numbi, au Jésus Congolais Lukaye, a koufi na Zambi. Par rapport à ces dossiers Golovani. Bon, par rapport à cette information, mais je ne saurais pas affirmer cette information. Mais s'il s'avérait qu'Akoufi a solo, moi je pense que ça lui fuit en avant. Parce que John Numbi, je pense, avec tous les dossiers, ils ont pesé Syrie à Robig en justice. Soba Katele Moukie, c'est presque 20 ans. Vous comprenez? Par rapport au crime qu'il a commettre dans Moka Oui. Bakonle Baba Vache na Bangote. Vous comprenez? Il a tué beaucoup de Congolais. Des preuves sont là. Plus de 500 photos. Tous ces gens ont porté disparu. Et puis, il y a encore John Numbi. Il faut aller à Bissau. Devant justice, Batouana, Batouana, Zaki, Nini. Il va nous le dire. Alors, moi, je pense que nous nous réservons un peu à reconfirmer l'information. Mais s'il s'avérait qu'à Koufi, moi, je pense qu'il fuit en avant. Parce qu'il a compris que, vu la charge de peser Syrie, dans le crime à Kometa, à Robic, la justice. Comme tu parles toujours de la justice, ce qui a Koufi, est-ce qu'il y a des gens qui ont été assassinés pour qu'ils révèlent l'information en justice? Toi, Abikoufi, il n'est pas passé à Kangaï. Mais c'est le journaliste dans la politique. Tant que vous avez commis un témoin gênant, vous avez exécuté, c'est ça la politique. Vous avez exécuté pour effacer ma trace. John Numbi, nous avons une pièce maîtresse. Il y a un crime et salami dans le monde. Alors, ceux qui le Koufi, en tout cas, il faut être à Liwana Malamu. Il peut être aussi, vous avez effacé ma trace. Et ça le rappelle la politique, non? Vous comprenez? Moi, je ne pense pas que John Numbi, abandonne que ça, crime ou la propre volonté. Je ne pense pas. Vous comprenez? Alors, c'est à lui maintenant.
on a impliqué dans le Kouana, il y a quoi, il s'agit de vérité, qui était commandité dans le crime, on a commettre. Et ça qui au profit de qui? Pour tuer le peuple congolais. Donc moi je pense que c'est ça. Voilà, moi je suis toujours continué une émission dans le parce que les partitions, on a quoi, Dieu nous dit. Il y a un lobby qui a été un sénat, une bénédiction de guerre. Le peuple congolais va retourner. Est-ce que quand il y aura aussi la perquisition de Kinakati, est-ce que Kinakati, tant Kinakati aujourd'hui est normal, il n'y a pas de choses qui sont bien, tout le monde n'est pas John Numbi. Mon cher ami, au regard de Makambo, tout le monde n'est pas John Numbi. En tout cas, il faut se méfier de l'ex-dignitaire sur le régime passé. À mon humble avis, nous demanderons naba service nabiso ba kite na bandaku na bango nyonso les anciens généraux, les anciens dignitaires ba mekosa la fuite systématique parce que déjà au regard ya malobo le mama kala par l'un d'eux vous comprenez qui va paralyser mboka oyo parce que déjà il y avait quelque chose qui se préparait en coulisses yango et monani à travers perquisition et salami nanda kwa John Numbi c'est que il y a encore d'autres caches d'armes na bandaku na bango. Il faut maintenant les services d'intelligence ba kite na bandaku na bango au besoin même si na kingakati ba ça la fuite systématique parce que le pays est à danger. Pour ce tali Arsenal de Minanda quoi John Numbi, moi je me demande et qu'est-ce qu'on ravitaille et qu'est-ce qu'on tenir guerre na kini awa pendant tout un mois. Lobby Mindou de Minanda quoi John Numbi et qu'est-ce qu'on suffire na guerre pendant un mois na kata capitale awa. Vous imaginez à lui seul. Allez, il était un général, c'est normal, il peut voir tout ça chez lui à la maison. Non. L'armement, il y a armée, il y a la logistique, il y a armée. Il n'est pas chargé à logistique et à armée Nabissou. Il n'est pas chargé. Il était un simple inspecteur général à FARDC. Vous comprenez? Comment un individu, au cause d'un arsenal, il y a bon nandaku na yo. Tu préparais quoi? Voilà pourquoi il avait dit à Lubumbashi, je ne suis pas un agneau. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est caché derrière ma parole dans le Bakiwana? Voilà maintenant la réponse, c'est ça. Il était confiant. Namindou Kassayi Nandaku, il pouvait faire tout à tout moment. Et heureusement, le service de l'intelligence, Sali Moussala comme il se doit, va récupérer Arsenal Ouana. Maintenant, ça demande maintenant, dans le service, il va quitter le sous de Bandako au Batikali. Parce que je suis sûr que Bandako Moussou Zali est belé que le même de John Mumbiwa. Mais pourquoi? Au besoin même qu'il n'y a pas fouillé en haut. Toi fouiller en haut. Ça c'est touristique pour l'instant, non? Non papa. Et ça c'est touristique par rapport à sur la forme au sommet en haut. Mais la fond, tu évites ce qui se passe là-bas. Tu évites. Alors tu te remets que c'est méfait là-bas. Ex dignitaire nous sommes beaucoup à haut. Bah ça va danger permanent pour la République. Vous comprenez? Tous ont la légèreté. Ma camouette est habillée maintenant que nos services. Bah ça la Moussa la Wana. Il y a ça perquisition de bandeau comme ancien dignitaire nous sommes ancien régime. Vous comprenez? Parce que moi je comprends qu'il y ait des caches d'armes partout. Parce que maintenant on peut parler quelque chose. Il y a un bandeau mon avec arrogance. Son bandeau avec arrogance. Vous comprenez? Parce qu'il savait quelque chose. Au bandeau préparé. Vous comprenez? Il y a un bimbi maintenant. John Numbasali, exemple à Liboso. Et le reste maintenant, il faut servir Nabiso Sala Moussala Wana. De maintenant. Vous comprenez? Parce que les dangers qu'on guette Biso maintenant. Lorsqu'on parle de l'ancien régime, on voit Kabila à la tête du pays parce qu'il n'y a pas de dirigeant Moka. John Numbasali, généraux. Par rapport à toutes ces accusations, par rapport à maintenant sur les gars Moko, est-ce que vous pensez vraiment que le CPI perd pour l'année la Kabila par rapport à. Moi je pense que ce qui va preuve et ça vraiment avéré que c'est lui qui était commanditaire mais il sera poursuivi. Il y a un moment où on a besoin tout le kanga ba o bande ko exécuter yango c'est allé à eux maintenant ba ko remonter ba filière ba lo ba que tu dois ordre pas à mutukingani. C'est comme ça que la justice fonctionne. Vous comprenez? Parce que on ne peut pas arrêter quelqu'un sur base à barimère. La justice fonctionne avec les preuves. Vous comprenez? Dès lors que John Numbi sera arrêté, c'est à lui maintenant. Il y a quoi sa justice que non, j'ai recevé des ordres et pas Moutoukingani. Maintenant, pour remonter filière, c'est comme ça la justice. Mais vous parlez toujours de la diplomatie. Mais quel jour de la diplomatie dans mon cannabis par rapport à la crime 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 à la diplomatie à la crime 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 à la crime
Moutoussou a Kimimbo, soit a poursuivi dans nous. Diplomatie, c'est le gros salaté. Soit a poursuivi. C'est ce que j'ai dit dans ministre, par exemple. John Mimbaza a poursuivi. Ce qui va reconnaître effectivement ça dans tel pays, les pays par rapport à la relation bilatérale entre les deux pays, et il y a un extradé John Numbi, à son anambo, par rapport à la grève, ou ils ont pesé contre lui. Et ça, la maca, sur le plan aussi politique, diplomatique, et au salama. Vous comprenez? Mais pour le moment, nous avons commis la phase de Wanati. C'est d'autres informations. Et je le baké, John Numbi, à Namboka. Monsieur le baké, à Nazambi. Précision comme telle est banité. Vous comprenez? Monsieur le baké, à Zimbabwe. Vous comprenez? Place fixe, ça allait jouer banati. Mais ce qui s'avérait que Azali va détecter qu'Azali telle place, les pays, à travers la diplomatie entre les deux États, et que Senga va extrader à Namboka, au à la juger, par rapport à la crise, à la greffe, Oyo, ils ont reposé sur lui. Il paraîtrait toujours, on met toujours conditionnel, un garde de l'un de John Numbi, ils étaient aux arrêts, à l'objet Aboma, Eric et Lengiwana, si ordre à Kabila, na Olive. Par rapport à l'union sur le dossier, on entend Kakabatoumoko. Est-ce que tu penses que ce sont des informations vraies ou la justice a quoi l'amener là-haut? Comment tu peux analyser ça? N'est-ce pas que l'ancien régime est allé caractériser dans le crime? Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, par rapport à cette information, c'est pourquoi n'est-ce pas que la justice fonctionne avec des preuves. Vous comprenez? D'emblée comme ça, on aurait statué sur un problème T sans pour autant avoir des preuves. Alors, le vrai preuve, et c'est notre John Numbié, on reçoit à comparaître. Par rapport à l'allégation aux Ezali, la charge n'a par rapport à la garde du corps n'a pas qu'à établir maintenant la responsabilité à Yamoutou Namoutou. S'il a remonté filière, si réellement l'ex-président est impliqué, il sera arrêté. Vous comprenez? Mais on va statuer sur base à la rimerté. Vous comprenez? Parce que la question de M. Oupéro, ça peut être un peu mensongère. Vous comprenez? Il faut maintenant les confronter. John Numbi sera confronté avec son garde de corps. Vous comprenez? Pour que la EPS agisse ici, possibilité à établir maintenant la responsabilité. Sur ça, la responsabilité est établie que John Numbi, Relmazaki, Mobomi, Bakotoune est maintenant. Qui était le commanditaire? C'est maintenant qu'il a remonté la filière. Si maintenant l'ex-président est impliqué, il sera arrêté. Il est qui devant la justice? Toujours la justice. Ça fait 4 mois que je suis devenu prisonnier. Ça fait 4 mois que je suis commis prisonnier. Dis-moi, je suis en train de me faire prisonnier. Je suis commis prisonnier, mais il se sent quand même prisonnier par rapport à ses propos. Est-ce qu'il y a déjà au bas de la manière légale et il y a déjà au bas de la naïe par rapport à tout ça? Il se sent mal à l'aise. Azalibanda, mais il se sent comme celui-là en prison par rapport à Nkolo Bani. On est faux fuyants, mais sur journaliste, ils ont comme ils sont les politiciens congolais. Les politiciens congolais, même si on va commettre infraction, même il y a droit commun, si on va poursuivre à commission politique. Et c'est le problème. Matata a été cité dans le détournement de millions de dollars dans le dossier Bukangalonzo. Ok? Il a été na Guinée. Lui-même Matata en pôle, qui n'a pas affronté justice. Maintenant, comme il a eu la justice, non, Batika va vendre Rwanda. Terre va vendre à Révoli. Ma tata est poursuivie pour un dossier à détournement. Est-ce qu'il y a cause dans ma politique Nakati? Vous comprenez? Lorsqu'il détourne l'argent, c'est ça qui m'a l'âme. Tant que maintenant, comment poursuivre le dossier? Si tu es innocent, quel est la justice? Affronter la justice, présenter le moyen de la défense. Si tu es innocent, tu vas quitter. Mais ça ne va pas confronter Jésus pour Annie. La manière que les justices poursuivent, ce ne sont pas de manière légale. Parce qu'on a dit de manière illégale. Je pense que nos juges, ça va respectuer. Vous comprenez, hein? Il y a procédure. Vous comprenez? Justice avec Kangamutu et banano par accord de leur convocation. Vous comprenez? Tant qu'on répond à la convocation, tu as 3 convocations, bah, tu as un mandat de comparution. Tant qu'on y était, bah, tu as un échelon. Tous les procédures qui ont été épuisées pour la mandat de Tapouni. Il y a mandat de comparution à Boi. Maintenant, mandat d'arrêt. Vous comprenez? Alors, maintenant, tu as un faux fouillon dans la télévision. Il y a qu'on répond à la justice. Tout le monde a un problème dans l'ESAT. Ce qu'on a innocent, il sera acquitté. Moi, je pense qu'il avait crié tout haut. Je suis venu affronter la justice. Il avait dit ça. Mais maintenant, comme il a eu, comment tergiversé? Vous comprenez? Bati Kabavanti, voilà. Aujourd'hui dans le Congo, la justice est devenue indépendante. S'il a raison, il sera acquitté. S'il est coupable, il sera en prison. C'est simple. Voilà mon amour, quand nous continuons, tant que malé, mission à Bissot.
Les 15 ans, ils marchent à la Mouka. Mais il paraîtrait qu'il y a une rencontre entre moi na Mouka, Joseph Kabila, et Martin Fayulu, Nkati Kingakati. Est-ce que tu penses qu'ils ont appris à préparer la marche? Ils ont préparé l'élection 2020. Ils ont préparé l'élection. Par rapport à cette rencontre, comment tu analyses ça? Pour Nangaï, marche Wana et le blanc de l'autre côté. Ils ont aventure. Tu as vu ce qui est Bango, l'IDPS au pouvoir, opposition au Koufa. Tu comprends? L'IDPS au pouvoir, opposition au Koufa. L'élection Fayulu qui a acquisé Félix, c'est Kabila qui dirigeait. Félix, marionnette. Kabila, c'est là qui démon. L'élection, c'est la coalition de Kabila. Allez-y, qu'on a politisé congolais. Vous comprenez? Moi je pense que marche ouana pour Nabiso et Zali coup d'épée dans l'eau. Vous comprenez? Je pense sauf le Zaki, un vrai leader. Pagno Banda marche Ganachang. Lui qui habite Goumi. Allez-y comprendre. Bana mouto manabalabalati. Vous comprenez? Faluana manabalabate ni Kabila. Vous comprendrez? Pour n'a marche ouana et le bel côté. Parce qu'on va marcher. Bon ça est le côté. Bah on le cas à 20 personnes awa. Mouto mazati. Voilà, mon amour. Nous avons toujours malé une émission d'abisso. Balobi Lioko, l'ex-président de l'Assemblée nationale, s'appelle comment encore Janine Mabunda, qui est Mboso. Papa Moulière a dit Mievo, Bazongisa, Mboso, Bazongisa, Janine Mabunda, qui est Mboso. Parce qu'aujourd'hui, Mboso prend des instructions dans mon conseil, au lieu de prendre des instructions dans la 4e Assemblée, par rapport à. Il y a Maloba, papa Molière, il y a Mouni Angoundéni. Bon, ils ont se justifié. Parce que Molière, d'abord, il est du FCC. C'est normal à Luka, la dame Lazo en Anini. Est-ce que Molière est un politicien d'abord? Il y a un truc qui est Congo, il y a un aventurier. Vous prenez des gens immoraux. Beaucoup sont dans l'Assemblée nationale. Molière est un peu comme ça. Vous comprenez? Alors, ceux de la zone Aolinga, Mabunda, c'est clair. Il est du FCC. C'est clair, ça saute aux yeux. Mais moi je pense qu'un député a été proposé à Marc Yonati. Et là, c'est que Moussa la salle a été en route. A été pourquoi un assemblée en été. Il est Molière Rouana. Il fallait que la mission ait été là. Vous comprendrez? Bonjour n'importe qui, beaucoup sont assemblés. Bonjour, Bassafou, Banani. Tout le monde a été là. Ils n'ont aucun projet pour ce pays. Je vais débuter en Boka. Je vais défendre Benani. Soit pour défendre l'intérêt et l'individualité. Vous comprenez? Allez, moi, Molière n'a contacté un politicien. Vous comprenez? Il y a un abyssio, et il y a un accident à l'histoire de Mboka Nabiso. Que nous avons comme député dans Mboka. Et ça, accident à l'histoire de Mboka Nabiso. Tout ce qui est député, c'est derrière Safou, Molière. Et ça, insiste le peuple congolais. Maintenant, il faut interpeller le peuple congolais qui votait. Quand votait, nous devons aller dans la télévision, la défendre à Babola, ou voter. Voilà maintenant la conséquence de la Mboka. Voilà. C'est ce qu'on a est de la République. Le lot qui est là, tout le monde est un soldat américain qui va venir. Mais aujourd'hui, on ressent comme si un échec est un soldat américain dans le est par rapport à l'état de siège. Qu'est-ce que tu peux expliquer à l'autre personne qui dit que on ressent un échec total des soldats américains dans l'est dans le moment de l'état de siège. Ils ont un bateau basali animé dans le monde. Ils ont un ennemi en Mboka. Peut-être qu'on va comprendre l'enjeu de la guerre à l'Est. Il y a un peu de la guerre à l'Est, c'est une guerre économique d'abord. Parce que c'est un peu de la guerre. Ce monde-là, c'est un peu de parce que c'est une possibilité de payer un miracle. C'est ça la vraie vérité. On va députer au bazar impliqué. Dans ma Kamouana, on s'acharner contre l'état de siège. Au monde, tout ce qui s'est fait dans l'Est, c'est un sabotage. Parce que les ADF, c'est une possibilité de payer un miracle. C'est ça la vérité. Maintenant, leur maître s'est retrouvé maintenant bloqué. C'est ça la vraie vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant salir le gouvernement congolais. Commencer à tuer les paisibles citoyens pour salir le gouvernement. C'est ça la vérité. Parce que échoué déjà sur le plan, échoué. Le minéral congolais est mal souhaité. C'est ça la vraie vérité. Maintenant, les députés, ils sont impliqués. Ils sont carrés miniers, ils se retrouvent sous terre. Il ne faut pas te mettre de siège, c'est normal. Et je ne dis pas, vous avez un gâteau dans mon nom. Il faut silica. Mais tu es bien, guerre ou anne aussi là. Comme la souka, c'est ravitaillé, mais ça sous terre.
comprends? On va commencer à faire maintenant Kuluna, on va commencer à Kuluna. Bo vandi boye, bo kisina ki ngabwa, bo midi personne. Yebisanga ko ma 10 personnes bo zoni na revanche. Pour comprendre que baluka ba salir nde gouvernement na biso. Po bala ki sala la face du monde que état de siège est simité. Or ezali réussite moko total, je vous dis. Vous comprendrez, hein? Parce que si le plan économique maintenant baza bloqué, minéral Congo se bi mal souté. C'est ça le vrai problème, le vrai problème. Papa, apaisez-vous. Tshisekedi a l'axi bonne volonté, y a ko aider mboka na biso. Nos frères ba koufi pendant 25 ans. Allez, bo se ngaté na 4 mois ba mettre fin à guerre wana. C'est une guerre moka ba intérêt économique. Vous comprendre? Alors, yebe ke mutabane ko gagner ba million. Bo katiye nini wana, a ko se laisser faire té. Vous comprenez? Mm. Bas la patience, guerre ou aneko si là. Les ADF ba déjà mis en déroute. La minute où ils ont opéré, ils ont mis en déroute. Vous comprenez? Ennemi à Congo, ils ont congolais yemoku. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous avons tellement aimé pour l'Andabiso. On a toujours dans le magazine, il y a toujours papa, maman, il y a la jeunesse congolaise. Vous avez la possibilité de faire ça, ou après l'investissement, vous avez aidé, vous avez aidé, vous avez aidé, vous avez aidé, venez passer à côté de contact, il y a des gens, la tête bien faite, ils seront là pour vous aider dans le cadre de la vie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous un dernier mot, je vous remercie, je vous numéro de téléphone, je vous question je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Les derniers mots que nous avons, c'est qu'un peuple congolais, Bapesa Félix Tshisekedi confiance. Il est le seul congolais à manifester volonté. Il a été détruit pendant plus ou moins 60 ans. On était dans 3 ans par baguette magique Congo tellement. Le mal était profond en Mboka Oyo. Les Congo étaient dans les gouffres. Tshisekedi se bat maintenant avec les moyens qu'il a abimisa Mboka Oyo dans gouffre et un effusque dans la surface. Vous comprenez? Topesa étant, tout ce qu'on a une mauvaise langue. Il y a bateau basé en mal à positionnement, bateau opposition, parce que position est Koufa. Vous comprenez? Bateau va proposer dans la Congolité. Il y a un moni, bateau saisir l'occasion pour chercher à salir le président. Le président a la volonté à détruire. Il y a à faire évoluer Mboka Oyo. Topé, c'est confiance. Tu es bien que Marameko Simba, d'ici là, Marameko Simba. Donc, numéro 1, plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Merci na base Nembo ya Mibiso. Merci na yopel la chypriote, la chypriote tak qui plan midi tak otali mo solo biwa ma mère boss. Mère boss na ki bon Dieu te garde là-bas makama besimba la chypriote otali mo solo biwa. Merci na pe sponsor officiel TGV mo sinzambe. Merci na être comme on est sima caméra de lobby. Bye bye.